avez 13 euros pour vous accueillir. Alors ici sur le marché d'Angis, mais sur le secteur gastronomie, ce secteur qu'on a appelé polyvalent, traiteur aujourd'hui gastronomie, où on retrouve le meilleur, ou en tout cas l'essentiel du marché d'Angis. On peut retrouver des fromages, on trouve le bio, on trouve de la viande, les produits traiteurs, la charcuterie, les accessoires. On retrouve tout le marché d'Angis et également de la viande sur ce secteur. Moi, je suis très attaché, comme Jean-Michel, au terroir, comme M. Fidalès. Je trouve que c'est formidable. Son opération, c'est un des seuls qui en fait, d'ailleurs, tout seul, sans aide de personne. Et je trouve que c'est extraordinaire. Alors, bravo, fromager. Je voudrais qu'on les applaudisse. Bravo, producteur, soit éleveur ou producteur proprement dit. Bravo! Bravo à M. Filalès, à M. Poche. Bravo! Voilà. Et vous aussi, monsieur. Et là, Stéphane. Et bravo, non, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Il y en a très peu qui le font. Bonjour. Ça va bien? Charles, bonjour. Nous, en Occitanie, ça représente à peu près 20 000 chevaux par an. C'est ma fonte préférée. Merci. Malheureusement, elle est peu à part. Même d'appeler des enfants aussi. Delphine, je suis dirigeante de l'exploitation de la ferme Georges Lay. Ici, nous sommes chez Bruel, à Rungis, et on est à l'automne des producteurs. Et je suis venue sur 2 jours. Donc c'est j'ai pu rencontrer à la fois mes clients, à la fois 2 nouveaux clients et à la fois d'autres producteurs. Ce qui est assez intéressant parce que du coup on peut songer aussi sur nos productions, sur le marché, sur l'avenir, sur le passé, enfin sur plein de choses. Donc en fait il y a un double avantage de ce regroupement, parce que parfois je fais des animations où on est seul, et là en fait il y a une effervescence qui est assez intéressante, et à la fois avec les producteurs et à la fois avec les clients. Belle rencontre avec les collègues, avec les clients de la maison Bruel et SAF. On tenait à remercier Jean-Michel, Arnaud de nous avoir invités et conviés à cet événement. On a été très très bien, comme d'habitude, très très bien accueillis, et on a passé quand même un bon moment et un agréable moment d'échange avec des producteurs, avec des crémiers fromagers, avec des gens aussi un peu plus loin à l'export. Donc merci aux équipes, merci à tout le monde, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Bonjour, Véronique Roquefort-Vernière. Je remercie beaucoup la Maison Bruel pour cette invitation et puis pour ces moments de partage, d'échange. C'est vrai que ça nous permet de voir beaucoup de crémiers fromagers et puis d'avoir des discussions formelles ou informelles avec les crémiers, avec les autres fabricants, et c'est vraiment très agréable. Donc c'est à refaire. Bonjour, Laurence, donc de la ferme des Noé-Rabache à Montsecré en Normandie. Donc, comme à chaque événement organisé avec la Maison Bruel Rungis, l'accueil est au top, c'est très convivial. Le temps est de la partie, on a même pu faire le marché dehors, donc c'est très sympa. Et c'est toujours l'occasion de rencontrer des personnes, aussi bien des crémiers fromagers que des collègues, que des artisans fromagers. Donc c'est très riche en rencontres. Voilà, à refaire. Donc bonjour Stéphanie, fromagerie Les Gores à Mel. Quoi dire de plus, c'est vrai que c'est super, ça permet effectivement d'échanger avec des collègues, des clients, et de montrer ce qu'on fait, de discuter. Très bon accueil, et donc à refaire. C'est un moment de rencontre, alors ça, c'est bien sûr que ça fait, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. On a croisé énormément de gens, des énergies positives, bien sûr, et ça nous fait plaisir maintenant. Je pense que ça va se poursuivre, cette sensation
sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est une fierté aussi pour moi d'être présent parmi vous pour présenter mes produits, nos produits, et puis mettre en avant tout le travail qui est effectué par nos fromagers et par nos producteurs. Voilà, donc mettre en avant la filière. Ici, moi, je m'éclate parce que je trouve que chez Bruel, c'est dynamique, que ça change tout le temps, c'est jamais pareil. Mais c'est bien, et j'ai trouvé que c'était bien. Je trouve que c'est très bien, on rencontre plein de gens. J'ai rencontré des étrangers, j'ai rencontré des Parisiens, j'ai rencontré des provinciaux lundi. Si c'était à refaire, je le referais. Il y a dans ce format-là, bien sûr, mais aussi dans un format individuel où on travaille plus pour soi. Là, on est dans un format d'échange. Et en plus, la particularité de ce que moi j'ai voulu amener sur cette opération, c'est de faire le lien avec une autre filière de la ferme, qui est la filière viande, qui est directement liée avec le fromage finalement. Et donc là, en appelant Jean-Michel Pouèche de SAF Bruel, qui connaît un peu tout le monde sur le marché de Rungis, ce matin à 4h, on a fait la visite de Rungis, on a découvert justement des grossistes en viande qui peuvent être intéressés par la démarche, et ça c'est chouette parce que du coup on a tout de suite une ouverture, on a tout de suite une ouverture et un potentiel. On arrive, on revient chez nous avec pas des clés, mais on arrive presque avec un trousseau, et après il n'y a plus que des portes à ouvrir, mais c'est plus facile à les ouvrir si on sait qu'on a le trousseau.